disparaît. Et la langue. Oh, crapule de modéré. Vous voyez dans le public, c'est du moyen ça. Je n'y suis pour rien, officier. J'imagine qu'une simple adresse aurait été trop triviale. Toi, citoyen, j'en sais long sur ces affaires. Je dis vrai. Tu verras que ces révolutionnaires auront donc fait se proclamer roi. Je parie que ce médaillon doit jouer un rôle.
Et ce médaillon, je suis censé en faire quoi? Si tu te décides un jour à te sortir la tête du cul, viens nous trouver. Si tu décides un jour à te sortir la tête du cul, viens nous trouver.
T'as pris ton temps, merdeur. Où sommes-nous? Dans un sanctuaire. Un lieu où l'on peut s'entraîner et se préparer. Loin du regard de nos ennemis. Est-on vraiment obligé de retourner en prison? C'est pas une prison. C'est un réseau. En empruntant ces souterrains, on peut parcourir toute la ville sans être vu. Et on voit tout ce qui se passe. Ah bon? Pourtant, on n'y voit pas grand-chose. Pourquoi vous n'avez pas choisi un endroit en hauteur? On se sert de ces tunnels depuis 6 siècles, merdeux. Ah. Et ça faisait longtemps que tu m'attendais caché dans les ténèbres? Non, non. Guillaume t'a aperçu depuis le clocher. C'était une belle entrée en scène. Tu te moques de moi? Non, non, je le pense vraiment. Très théâtral. Ferme-la. Nous y sommes. Faites approcher l'aspirant. Ainsi, le fils de Charles d'Orient revient à nous. Bellec pensait que tu ne viendrais pas. Pourquoi ce revirement? J'en ai assez de fuir mes échecs. Monsieur de la Serre, mon père, je tiens à me racheter. La mort du grand maître de la Serre pèse sur ta conscience. Pourquoi? Est-ce toi qui tenais la lame? Quelle importance. J'en porte quand même la faute. La culpabilité l'étouffe. Tu réponds vraiment de lui? Anna Kavale, Inauka Diran, Ala Mouajati El Mouakama, Sea Kunujaidan. Très bien. De l'ombre, tu rejoins la lumière. De la lumière, tu regagnes les ombres. Es-tu prêt à suivre la voie de l'aigle? Si c'est votre manière de demander si je veux de votre aide, oui. Alors bois. Thank you.
R! Mais où est-il passé?
Ces mots viennent de nos ancêtres. Ils forment le cœur de notre credo. Ta lame épargnera la chair de l'innocent. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais en danger la confrérie. Que ces préceptes marquent à jamais ton esprit. Suis-les et tu en deviendras meilleur. Bafoue-les et tu en souffriras. Lève-toi, assassin. Arnaud Dorian est mort. Il a disparu de ce monde. Ses péchés et ses échecs sont réduits au néant. Ce soir, il ressuscite, tel un novice de la confrérie des assassins. Tu es de retour. Maintenant que tu sais ce qu'est la vie d'un assassin, es-tu prêt à prendre part au combat avec nous? Deacon, charge le fichier. C'est parti. Nous avons volé un fichier chez Abstergo le mois dernier, et les infos qu'il contient sont incroyables. Mais on ne partage pas ce genre de choses avec n'importe qui. Si tu appuies sur Play, tu rejoindras les assassins. Si tu veux lutter contre les Templiers, si tu veux nous aider à sauver la civilisation des griffes d'Abstergo, appuie sur Play. Installe-toi et prépare-toi à apprendre la vérité. Tu as fait le bon choix. Bienvenue chez les assassins initiés. Dans les années 50, une théorie fut développée selon laquelle l'ADN humain employait un modèle à triple hélice. Quelques années plus tard, les travaux de Crick et Watson démontèrent cette théorie en faveur du modèle à double hélice. Depuis, ce modèle est considéré comme le fondement de toute vie sur Terre. Mais pourquoi a-t-on envisagé la théorie de la triple hélice? Pourquoi les radiographies de Rosalind Franklin semblent-elles la valider? En réalité, les premiers échantillons utilisés contenaient de petites traces d'ADN de précurseurs, les gènes d'une race ancienne intégrée aux nôtres. Nous savons désormais que l'ADN à triple hélice constitue le fondement du génome des précurseurs. C'est la pierre de Rosette génétique de notre époque. Si l'on réussit à la faire parler, à séquencer entièrement le génome des précurseurs, le savoir que nous pourrons acquérir sera sans limite. À l'aide de la technologie Animus, l'histoire des précurseurs se dévoilera sous nos yeux. Le décryptage des langues anciennes permettra d'accéder aux technologies disparues. Imaginez ce que révélera le savoir qui a produit les fragments d'Éden. Ces découvertes seront 100 fois plus importantes que la fission de l'atome. L'an dernier, nous avons localisé un échantillon très riche d'ADN de précurseurs chez un donneur. Cet échantillon contient 4% d'ADN de précurseurs, une valeur inouïe. Il est la pierre angulaire de nos travaux. Notre objectif est de démêler la triple hélice, de séquencer le génome des précurseurs et de modifier à jamais le visage du monde. Bienvenue dans le projet Phoenix. Voilà où nous en sommes. L'an dernier, Abstergo a mis la main sur le corps de ce qu'on appelle un sage, l'un des rares êtres humains à détenir un excédent d'ADN ancien. Depuis, il s'active pour en trouver d'autres, dans le présent et dans le passé. Plus Abstergo en détiendra, plus ils se rapprocheront de leur but ultime. On a fait obstacle à leur dernière tentative, mais ils continueront jusqu'à ce qu'ils aient séquencé le génome des précurseurs dans son intégralité. Alors, pourquoi Arnaud Dorian? Pourquoi suivre un assassin pendant la Révolution française? Il s'avère qu'à un moment de sa vie, Arnaud a été en contact avec un autre sage. Il faut que tu découvres où et quand ont eu lieu ces rencontres.
Si Arnaud a assisté à la mort de ce sage, Abstergo risque de mettre la main sur son corps. Sauf si on est les premiers à le prouver. C'est là que tu entres en scène. Ce ne sera pas facile. Les mémoires génétiques doivent être traitées dans l'ordre pour que les données restent stables. Mais je suis sûre que tu seras à la hauteur. Et tu ne seras pas seul. D'autres initiés, des assassins tout comme toi, se démènent pour gagner cette bataille. Si tu as besoin de t'entraîner, de plus d'expérience, ils te viendront en aide. Très bien. Chargement de la séquence suivante. Content de te revoir. J'ai quelque chose pour toi. Plus tu passeras de temps avec Arnaud, plus on aura de données pour augmenter ta synchronisation avec lui. Et pour activer ses compétences. Tiens, regarde ça. Pendant que tu étais occupé, j'ai demandé à Rebecca d'explorer la mémoire d'Arnaud. C'était un jeune homme plutôt actif. Tu vois ce symbole? C'est une mission coop. Je joue souvent en multi, toi aussi peut-être, mais je me suis dit que tu voudrais sûrement varier les plaisirs. Voici des missions qu'Arnaud a menées avec ses frères assassins. Elles te donneront une idée du fonctionnement de notre confrérie. Marche jusqu'à cet endroit et tu recevras tous les détails. Je les ai tous indiqués sur ta carte.
Thank you.
place. Alors, tu es là. Viens chercher. Merci. Oh oui, merci beaucoup. Hein? Que se passe-t-il? Les importants passent par là. Il n'écoutait pas notre droit. La nation se rend en danger. Vérol va lui manger la cervelle. Particulièrement hideux. Une tête de l'œuvre qu'on a prise vient bouleverser notre mort. Cours à la catastrophe. L'homme qui a expiré la création. Vous aurez appris les dernières nouvelles avant tout le monde. De la Gazette. De la Constituante. Enfin, la nourriture peut s'informer par ici. Par ici. Dépêchez-vous, tant pis. Je suis là, l'ami. Viens, je dis. Tu dois lire ça. Moi-même, je n'y croyais pas. Allez, on en profite. Va. Il se passe quelque chose là-bas. Reste le tiers état maintenant disponible dans votre ville. Un peu de patience, ami. Tu pars maintenant, tu seras protégé. Il n'a pas son exemplaire. Non, vous n'avez pas le droit. Découvrez l'œuvre de la crise qui a bouleversé notre temps. L'homme qui a inspiré la création de l'Assemblée. Quelle est la mission ? Ta mission est d'aller poser ton cul où il faut, sans poser de questions, merdeux. Servir est mon devoir. Thank you.
vraiment curieux. On va vous exterminer! Prépare-toi à rejoindre Satan, vermine! Je suis là! J'ai assez d'enfants. Ça y est, on piège! Seigneur Guillaume de Roussel a généreusement accepté notre prix de 4 dixièmes. Un acte empreint de désespoir. Et pour le prêtre? Il va consentir. Ta confiance est contagieuse, Siver. Mes hommes vont préparer la carriole. Voilà les détails. Veille à ce que tout se passe bien. Entendu. Veille à ce que tout se passe bien, crétin. Et je... À l'aide! On meurt! Faut toujours que ces chiens les gardent du corps. Alors? La prochaine fois, ne lui laisse pas le temps de crier. Pourquoi on reste ici alors que Siver est toujours en vie? Il a tué Monsieur de la Serre. Sois patient, Siver n'est pas notre cible. Pas aujourd'hui. Bien. Le conseil attend notre rapport. Je t'ai trouvé! Enfume-les, merdeux! Ces chiens. Mon père nous a donc à l'abri! Dépêche-toi, merdeux. Il est temps de faire tes preuves. Ils veulent se battre avec tout le monde. Tâche de ne pas attirer leur attention. Et si on leur donnait une leçon? Arrête-les. Évite-les, peu importe. Les fanatiques, ça court les rues. Alors tu sauveras pas tout le monde, merdeux. Tu sais toujours trouver les mots justes. Rémi a trouvé le corps de Monsieur Arpinon dans une cour à deux pas d'ici. Il s'est fait égorger. Arrête-toi! Ouais. Alors, le courage vous fait défaut? On ne vous cache pas pour les autres. Doucement, merdeux. Tu vas blesser quelqu'un. Doucement,
merdeux. Tu vas blesser quelqu'un. Tu veux faire une pause ? Je ménage ton vieux cœur. Je ne peux pas le croire. Cela fait un an qu'on n'a pas vu Siver. Et tu le laisses partir? Tout ça parce que son nom n'est pas écrit sur un bout de papier? Arnaud, comment te portes-tu? Et maintenant, que fait-on ? Donne ce registre des Templiers à Mirabeau pour qu'il s'empresse de ne rien en faire. Tu n'as pas l'air de beaucoup l'apprécier. Les Templiers ont été tués cette nuit, pas par nous. Deux politiciens. Les Templiers ont pris l'habitude de s'entretuer depuis 89. Une guerre civile. Ils se croient capables de mettre terme à la guerre entre assassins et Templiers, de pacifier la révolution et de persuader chiens et chats de vivre en bonne entente. Et c'est mal ? Les hommes de la ferme générale peuvent dormir en paix.
Harpinon est mort. Il me semblait un peu limité pour extorquer des nobles emprisonnés. Qu'est-ce que les Templiers préparent ? Si cette maudite trêve ne nous liait pas les mains depuis un an, nous le saurions. Il n'a pas tort, Honoré. Cette trêve avait été conclue avec le grand maître de la Serre. Et cela fait 2 ans qu'il est mort. Quel que soit leur nouveau chef, je suis certaine qu'ils ne se tournent pas les pouces. Nous en aurions peut-être appris davantage en capturant Sivert. Sivert était là-bas ? Je sais que la paix est une chose qui vous tient à cœur. Mais il serait sans doute utile de faire payer son crime au meurtrier de Monsieur de la Serre, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Tant que tu n'essaies pas de faire passer ta vengeance personnelle pour une bonne stratégie. S'il veut tuer des Templiers, laissons-le tuer des Templiers. Je lui ai appris tout ce que je sais. Il est prêt. Fort bien. Assassin. Tu vas te rendre à Notre-Dame de Paris. Et tu y trouveras l'agent des Templiers, Charles Gabriel Sivert. Tu apprendras ses secrets, et une fois ta tâche accomplie, tu lui apporteras la paix, comme le dictent nos préceptes. Thank you.